Bon les gars, il faut que nous trouvions une bonne intro pour la chaîne. On pourrait faire une musique avec les chœurs de l'armée rouge et un tank soviétique en arrière-plan. J'ai entendu le mot soviétique. Tais-toi, Rambo. Qu'est-ce qu'il a, le jaune? Calmez-vous, s'il vous plaît, la guerre froide est terminée. Ben, je recommence quand vous voulez, moi. La seule chose que tu sais faire, c'est dégommer des tanks avec un arc. T'as même pas d'humour. Si, regarde, la dernière fois que j'ai ri, j'étais en mission avec Tom. J'ai regardé Tom et j'ai ri. Tom et Jerry, la blague. Mais c'est nul. Bon d'accord, une autre. Quelle est la couleur des mecs qui ont la classe? Le jaune, parce que le jaune rend beau. Ah, j'ai compris. On préfère une rétro avec des marionnettes. Mario. Net. Marionnette. Oh yeah. J'aimerais dire quelque chose. Oh putain. Je voulais être le président qui rassemble. Qui rassemble les hommes, les femmes, les chiens, les chats, l'eau, l'huile. C'est chose faite. J'ai rassemblé tout ce petit monde dans la merde. Vous savez, sous une présidence, il y a des hauts et des bas. Des bas. Mais il y a aussi eu de bons moments pour notre grande nation. Je pense notamment à la découverte d'une gigantesque défense d'éléphants qui a été trouvée au Mali et que nous avons ramenée à l'Elysée. Nous l'avons d'ailleurs affublée d'un nom très équivoque. La défense nationale. Je pense aussi à ce moment où j'ai joué dans Skyfall, le dernier James Bond. C'était pas vous, ça? Si, c'était moi. J'étais juste déguisé en Daniel Craig. Ni vu, ni connu, on a la même corpulence. Tout comme je suis actuellement déguisé en président. Il est temps pour moi de vous adresser mes vœux. Je souhaite à tous les Français un avenir meilleur avec des voitures volantes, des voyages dans le temps, un gouvernement efficace. Je souhaite à mon cousin François, à ma sœur Françoise, à mon neveu François, à ma tante Françoise, à François Ier et bien sûr à François une bonne année. Je remercie le site web Coreuse d'avoir cru en moi avec une mention spéciale pour les personnes du forum qui ont accueilli ma vidéo dans la joie et la bonne humeur qui est propre à ce site. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à cette chaîne, qui commentent les vidéos. Je lis les commentaires et je m'en sers pour confectionner le prochain épisode de cette épopée fantastique que nous allons vivre ensemble. Merci. PS, Parti Socialiste. À tous ceux qui voulaient connaître ma vraie voix, la voici. Eh les gars, c'est tout. Je suis derrière toi. Quant à moi, ce n'est pas une surprise si je réponds que je suis à gauche. J'ai toujours confondu ma gauche et ma droite. Droite? Aïe, j'ai mal. Pourquoi t'as frappé le président? J'ai entendu le mot droite, j'ai réagi direct. Réflexe Rocky. Mais t'es pas Rocky, t'es Rambo. Ah si, si, moi c'est Rocky, Rambo est à côté. C'est moi où il y a plus de monde que prévu dans cette pièce. J'ai trouvé Charles Pasqua. Il se passe quoi? Et moi je viens de trouver Guy Bedos. Guy Bedos dit que tout est de la merde. C'est un connard le président, tout le monde est un connard. Et toi là-bas au fond, souris-moi, voilà, t'es un connard. Tout le monde est connard. Et dis donc, il y a du monde dans cette cave. Hein? Qui a pété? D'accord. Obélix, ne bouge pas. Au vu de ta présence, tu risques de faire un appel d'air. Il est temps pour moi de partir de cette cave afin de rejoindre les forces alliées et de faire triompher la justice et la liberté. Ah, je crois que j'ai trouvé le bouton qui permet de remettre en marche l'alimentation. Non, pas ce bouton, c'est celui qui arrête la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas précisé le nom des personnages que j'imitais. C'est pour vous proposer un petit jeu. Donnez en commentaire les noms qui se cachent derrière les voix que vous avez reconnues. Celui qui les aura toutes reconnues gagnera une petite dédicace dans la prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de dédicaces.